Bonsoir, Chakoute. Ou alors, mieux encore, bonjour. Bonjour, chérie. Ça va? Allez-vous mettre tes baguettes là. Je sais que tu es fâché, mais je vais me rattraper. Vraiment, mon patron n'a pas arrêté de m'importuner toute la journée. Je dis, ton boss là, il ne sait pas que tu es marié. Lui-même, il n'est pas marié. Il peut supporter travailler comme ça toute sa vie. Plus de 10 heures de travail. Vraiment, moi, je ne comprends même plus. J'ai voulu me libérer, mais à la dernière minute, il y a un Chinois là qui a appelé, il voulait un dossier. J'étais obligé de rester là, comme je suis l'un de ses meilleurs éléments. De toutes les façons, moi je suis contente que tu sois rentrée. Merci. Bienvenue. Merci. Bon, j'ai une surprise pour toi. Attends, moi j'arrive. Merci Seigneur. Oui. Ça, être infidèle, c'est risqué, oh. Tu disais quoi? Je disais que mon patron m'a bloqué au bureau toute la journée. Tu peux pas imaginer. Comprends. On va rattraper. Ça. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as derrière? Ah, ça. C'est une recette. Tu peux lire. Je vais faire ça demain. Pour moi? C'est quoi ça? Réponds-toi-même à la question. Ce n'est pas avec le dossier si que tu devais travailler avec ton patron aujourd'hui. Ce n'est pas le dossier si tu as compté. Tu as pris ton courage. Tu as dit au monsieur de Truy que ta femme est gravement malade à la maison à midi. Tu as quitté ton travail. Tu es parti pour arriver ici à 2h du matin. L'homme de Truy est arrivé ici à 13h. Mon patron est ici. Tais-toi quand je parle. Il est arrivé ici à 13h. Il est rentré chez lui à 21h parce qu'il était tellement inquiet. Il m'a fait... J'ai appelé ta mère. Ta mère a appelé ton oncle. Ton oncle m'a appelé au village pour savoir si tu n'as pas fait un voyage imprévu. Ton village m'a rappelé pour savoir si tu es rentré. Je devais leur dire quoi, Chakunte? Que je ne contrôle pas mon mari. Que je ne sais pas ce que mon mari fait dehors. Tu as fini. Tu as osé dire au monsieur que moi si, Ngobitaï, je tombe l'épilepsie. Adou, je ne mens pas. Et là, tu fermes ta bouche. Chakunde, tu exagères. Tu n'as pas honte. Tiens-toi tranquille, monsieur. Il n'y a pas que toi qui as plus d'un tout dans ton sac. Menteur comme ça. Aïe, c'est mal au ventre, mon ventre. Aïe. Comme tu es gros là, moi je ne peux pas porter ce genre de corps. Donc mieux j'appelle le voisin, il vient te porter. Tu appelles le voisin pourquoi? Tu l'appelles qui vient faire quoi ici? Je ne t'ai pas dit de ne plus parler au voisin. Tu ne vois pas qui veut te draguer?